L'Association québécoise de prévention du suicide a récemment dévoilé un nouvel outil, un numéro court de messagerie texte. Alors, on a annoncé le lancement d'un numéro court pour rejoindre la messagerie texte de suicide.ca, qui est le service numérique québécois de prévention du suicide. On avait déjà un numéro long qui existait, mais évidemment, un numéro court est beaucoup plus facile à retenir, beaucoup plus facile à utiliser. Dès maintenant, les Québécois, là, partout dans la province, peuvent accéder au service numérique québécois de prévention du suicide en tapant le 53-53-53, en tout temps, donc 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour pouvoir parler à un intervenant qui est spécialisé en prévention du suicide. Le principe est simple et fournit une aide ainsi qu'un soutien aux personnes dans le besoin. Alors, en tapant le numéro 53-53-53, il va y avoir quelques questions qui vont nous être posées par un algorithme qui va nous aider à faire le triage, donc pour évaluer l'état mental de la personne. Est-ce que la personne est en crise ou au contraire, la personne se pose quelques questions ou voudrait avoir des précisions sur une situation? Donc, ça nous permet de faire un triage et en fonction du résultat, il y a un ordre de priorité qui va être accordé à la personne. Et dès qu'un intervenant se libère, bien, à ce moment-là, la personne est connectée avec l'intervenant et là, il y a un échange par écrit qui s'installe. Ce numéro court offre une alternative aux appels, lesquels rebutent parfois certaines personnes qui ont pourtant besoin d'aide. En fait, pour deux raisons. D'abord, pour plusieurs, de prendre le téléphone. On sait au Québec, on a la ligne 1866 appel pour parler avec un intervenant. Il y en a pour qui c'est plus difficile d'exprimer verbalement ce qu'ils vivent. Ils sont très émotifs, donc ont de la difficulté à le faire. Donc, de pouvoir le faire par écrit, bien, ça peut-être que ça permet d'être plus accessible, moins confrontant. Il y a peut-être un sentiment de confidentialité, d'anonymat aussi là, qui s'installe, donc qui met la personne en confiance et qui va faire en sorte qu'elle va s'ouvrir davantage. L'autre élément, c'est qu'il veut pas, quand on regarde la population qui est plus jeune, le téléphone mobile est utilisé à toutes les sauces, dans toutes les sphères de la vie de la personne. Donc, c'est important pour nous aussi d'ouvrir ces canaux-là pour que les jeunes puissent nous rejoindre par les moyens qu'ils utilisent. Depuis qu'on a lancé le service numérique de prévention du suicide, 50% des interventions qu'on a faites sont auprès de jeunes de moins de 25 ans. Donc, ça démontre que ça répond vraiment à un besoin et qu'on utilise les moyens nécessaires pour les rejoindre. Parlant de statistiques, cette nouvelle ressource est la bienvenue, surtout si on tient compte du nombre de demandes d'aide reçues par l'Association québécoise de prévention du suicide. Pour le service numérique d'intervention, on reçoit environ 1 000 à 1 500 demandes d'aide par mois, là, donc ça va varier dans le temps. Mm-hmm. Mais si on regarde le site suicide.ca, qui offre, oui, du clavardage, mais qui offre aussi des outils pour nous aider à monitorer notre santé mentale, qui est aussi une bibliothèque d'informations. Juste pour les 18 premiers mois d'opération, on a eu au-delà de 220 000 visites sur le site web. Donc, ça démontre qu'il y a de l'intérêt pour la prévention du suicide, les gens se questionnent et qu'il faut être présent en ligne pour justement donner la bonne information à la population. Enfin, un peu comme les autres ressources en prévention du suicide, ce numéro court de messagerie texte s'adresse autant aux personnes vivantes avec des pensées suicidaires que leurs proches. Oui, si on ne va pas bien, si on a des idées suicidaires, on recommande aux gens de faire appel au service d'aide. Mais si on se questionne, on a peut-être observé un comportement, des propos qui ont été tenus par quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on, je ne suis pas sûr de bien interpréter ce que la personne veut dire. Donc, on peut interpeller suicide.ca pour poser des questions, valider nos impressions, savoir comment faire pour mettre la personne en lien directement le plus rapidement possible avec les ressources. Oui. Puis on peut aussi appeler si on a une personne endeuillée. Donc, par exemple, si quelqu'un dans notre entourage s'est enlevé la vie, ça vient nous, évidemment, ça nous provoque des émotions, ça vient nous chercher. Si on a besoin de ventiler, d'en parler avec un intervenant, c'est aussi possible de le faire via suicide.ca.